On va maintenant pouvoir passer à la programmation des blocs. Donc, je clique sur le bouton bloc qui se trouve en haut à droite de l'écran. Alors, programmer l'application, c'est quoi? Eh bien, c'est décrire le comportement de l'application pour chacun des événements qui la concernent. Par exemple, quand on touche un bouton, on va vouloir changer la couleur ou quand on touche l'écran, on va vouloir tracer un point. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est écrire chacun des petits bouts de programme qui correspondent à chacun des événements qui concernent l'application. Alors, si on regarde les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, pour dessiner des points, on va le faire quand le cadre dessin est touché. Pour tracer des lignes, c'est quand le cadre dessin est glissé. Pour choisir la couleur, c'est quand le bouton rouge, vert ou bleu sont touchés, etc. Eh bien, on va programmer maintenant la réaction de l'application à chacun de ces événements. Alors commençons par dessiner un point qui correspond à l'événement quand cadre touché. Je récupère avec cet événement les coordonnées x, y du point touché. Donc je vais pouvoir dessiner un cercle à cet endroit-là. Le cercle, c'est une fonction ou une procédure du cadre. Et je dois donc dessiner un cercle en x et y que je vais récupérer ici. Si je pose le curseur au-dessus de x ou au-dessus de y, je vois apparaître les blocs qui me permettent de les sélectionner. Le rayon du cercle, eh bien, je vais le définir dans un premier temps comme une valeur fixe et je vais mettre 5. Alors maintenant, je peux tester cette fonction. J'affiche le téléphone et depuis le PC, je me connecte. En général, vous aurez besoin de réinitialiser la connexion si vous n'êtes pas servi du smartphone depuis un certain temps. Je lance le Companion AI sur le PC et sur le smartphone, je lance également le MIT AI2 Companion. Je lance le scan. Et mon application démarre, donc je peux maintenant tester le bon fonctionnement du tracé de points. Ça fonctionne, je vais pouvoir continuer.